Bon, du coup, c'est l'heure de s'attaquer aux bandes de la salle de bain avec grand plaisir, comme d'habitude, pour faire les bandes. Donc, je vais essayer déjà de tout coller au banjo. Et vous avez vu sur les plans, juste avant, j'ai cassé les arêtes des différents meubles de salle de bain. Enfin, partout, il y avait des coins comme ça, donc sortant, on appelle ça. Enfin, bref, vous avez compris. Du coup, j'ai cassé toutes les arêtes pour pouvoir faire un arrondi ensuite en béton ciré. Ça, c'est Mélissa qui veut ça. Donc ici, du coup, je vais pas pouvoir mettre les cornières comme j'ai mis partout dans l'appart. Je vais devoir mettre des bandes armées. Et du coup, je vais m'arranger pour que les deux côtés où il y ait la ferraille tombent vraiment entre la jointure des deux plaques. Donc par exemple, ici, je vais faire comme ça. Et donc ensuite, le papier va venir recouvrir l'angle du mieux possible. Et ensuite, ça sera avec l'enduit qu'on fera un bel arrondi, j'espère. Mélissa veut toujours faire les trucs les plus compliqués. Sinon, c'est pas mort. Donc pour tout ce qui est joint, d'habitude j'utilise cet enduit de chez Semain et là du coup j'ai pris de l'enduit donc de chez Semain aussi, je crois que c'est l'équivalent mais en version hydro, donc pour la salle de bain. Est-ce que c'est vraiment important? Je sais pas, au pire si j'en ai pas assez je prendrai de l'enduit normal. Parce que bon à 45€ le sac, ça fait un peu mal quand même. J'ai regardé plein de vidéos YouTube, hein. J'ai jamais vu un mec qui a fait des bandes vertes. Du jour, c'est de faire les bandes qui vont venir sur les arrondis à ces endroits là. Voilà, je suis un petit peu relou donc monsieur n'est pas ultra content. Puisque c'est les emplacements des tiroirs. Donc du coup, bande armée sur les arêtes normales et bande armée sur les arêtes qui seront arrondies. Putain. Et tu sais, moi je me fige.
J'ai de l'enduit partout, vous allez croire que j'ai plein de poils de barbe blanc. Bon, en vrai, quelques-uns quand même. Bon, bref, cette salle de bain, j'avance, je vous ai pas tout filmé, je vous montre ça. Donc, j'en suis encore à la passe de charge. Donc, j'ai chargé toutes les droites, là, j'ai fait la moitié des cueillies, j'ai fait les angles, etc. Et surtout, ce qui va être intéressant, c'est que j'ai fait les fameux arrondis que veut Mélissa ici. J'ai pas filmé quand j'ai fait ça hier, mais je vous affiche une photo de comment c'était avant que je racle, on va dire ça comme ça. Ça ressemble vraiment à rien. Et du coup, après, une fois que ça sèche, ça fait ça. Là, j'ai juste enlevé la petite pointe qui était là, mais sinon, c'est à peu près propre. Et une fois qu'on ponce, ça fait un bel arrondi. Je sais pas si vous allez bien voir. Donc, quand je vous ai montré ça à Mélissa, elle était trop contente. Donc, c'est cool. Ça lui plaît. On va continuer la même méthode. J'ai été chercher une grosse commande chez Saint-Maclou. J'ai montré ça dans le camion et j'ai pas envie de la monter. Donc cette palette là, elle fait 800 kg et faut la monter au troisième étage. Donc ce coup-ci, je vais adopter une technique. Je vais laisser le camion en bas de l'appart et à chaque fois que je monte dans l'appart, je monte au moins un carton. Souhaitez-moi bon chance, comme on dit. Bon, sinon il va falloir que je m'occupe de rattraper un petit détail dont je m'étais pas occupé jusque-là. Donc là, je suis dans le bureau. Ici, il y a la véranda.
Et donc la porte-fenêtre ici, il y a un petit rebord comme ça qui était déjà existant sur lequel on a posé la porte-fenêtre. Sauf qu'en fait, il n'est pas du tout de niveau par rapport au reste. Je ne sais pas si vous voyez bien, je pense que oui. Du coup, il faut le recouper pour que ça fasse un sol uniforme. Vu que ça va être une pose flottante, on s'en fiche qu'il y ait un petit jour au milieu. Donc l'idée, c'est d'avoir le sol uniforme qui va jusqu'à la porte-fenêtre. Et ensuite, on gérera les plinthes comme on peut pour arriver dessous là. Mais en tout cas, on va juste éviter là, la micro-marche qu'il y a ici. Donc il faut essayer de la découper proprement. Alors je vais essayer avec la meuleuse et un disque diamant. Il faut faire attention partout, à la porte-fenêtre, au placo. Et puis je vais mettre un burlon aussi, je pense, sur le perfo pour essayer de d'enlever tout ça. Là, vous avez vu, j'ai bien creusé cette partie-là pour qu'elle soit égale à celle-là, soit au moins un petit peu plus basse. Ensuite, je vais réégaliser tout ça avec du mortier ou au pire du MAP, je sais pas. Enfin bon, bref, on s'en fiche un petit peu. De toute façon, la pose des lames de PVC flottantes va bien tout cacher. Bon, maintenant que j'ai fait toute la poussière, on a bien aspiré, on a dépoussiéré le mur qu'on doit ratisser dans le bureau. Et pour ça, j'ai appelé Mrs. Rouleau.